But, Hugo Lloris. Mike Maignan. Steve Mananda. Défenseur, Lucas Digne. Léo Dubois. Lucas Hernandez. Presnel Kimpembe. Jules Koundé. Clément Langlais. Benjamin Pavard. Raphaël Varane. Kurt Zouma. Milieu de terrain, N'Golo Kanté, Thomas Lemar, Paul Pogba, Adrien Rabiot, Moussa Sissoko, Corentin Tolisso. Attaquant, Wissam Ben Yedder, Karim Benzema, Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Marcus Thuram. Grand bravo à Karim Benzema, yes! Yes, un franco-algérien en équipe de France, ça fait plaisir. Lui, il va pas parler chinois devant le but, hein, contrairement à certains. En tout cas, bravo à Karim Benzema, force à toi. On est ensemble, ça fait plaisir que tu sois revenu en équipe de France. Force à toi, Benzema, on va tout niquer. Bon, les gars, je vais visiter une tour pour acheter un appartement à l'Aston Martin. Donc c'est un investissement immobilier, donc on va aller voir. Ça sera un autre appartement que j'achèterai. Donc on va aller voir ce que ça donne avec Léa. On va monter en haut de la construction. Una marca, solo. J'adore les propriétés à Miami parce que c'est sur l'eau et c'est un super bon investissement. Tu peux aller faire du bateau, du jet ski. D'ailleurs, en parlant de jet ski et de bateau, vous savez que vous pouvez faire du jet ski et du bateau cet été? Oui, mais il faut un permis bateau absolument pour faire du jet ski ou pour faire du bateau. Et j'ai un ami à moi, il te fait avoir ton permis bateau à distance en 48 heures. Oui les gars, en 48 heures, tu t'imagines? À distance, c'est de la folie. J'ai mis son numéro WhatsApp juste là, tu lui envoies un message ou j'ai mis son Snap. Les gars, c'est un plan sûr, faites-moi confiance. Vous allez voir, vous allez être super satisfait. Vous allez être super satisfait. Envoie vite un message pour avoir un permis en 48 heures sur WhatsApp pour les permis bateau et jet ski. Allez, dépêche-toi ou sur Snap, swipe up. Les gars, dépêche-toi si tu veux le permis bateau pour conduire des jet ski en légalité, conduire des gros bateaux. Tu lui envoies un message sur WhatsApp ou tu vas voir sa story Snapchat et tu lui envoies un message. Dépêche-toi, c'est un plan sûr, faites-moi confiance. Mais moi, j'ai le permis bateau, ça fait 48 heures à distance. Là, on est en train de se préparer parce qu'on va chez le chirurgien pour lui dire exactement ce que je veux, le nez que je veux. Et comme j'ai dit à Marie, qui n'est pas d'accord. Pour une fois, c'est pas pour moi qu'on va voir le chirurgien, c'est pour toi. Tu veux le nez de Janet Jackson? Ah non, mais par contre, arrête. C'est horrible. Bah, s'il est tout petit, il est magnifique. Mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est dégueulasse. Non, mais sérieusement, c'est pas méchant, c'est pas contre elle, mais ouais, horrible. Avec moi, ça irait parfaitement mais avec mon visage. Mais t'es malade, mais pas du tout. Il te faut un nez masculin, il faut juste que tu enlèves ta petite bosse. Donc, du coup, c'est moi qui décide. Et je vais me faire ce nez-là. Bon, là, on part chez le chirurgien pour que je lui annonce exactement le nez que je veux. Je t'explique, si tu fais un nez moche comme ça, je reste pas avec un mec hyper moche, moi. C'est pas méchant, je t'aime, mais je peux pas. Hein. Écoute. Imagine, je me fais un nez hyper moche, c'est au milieu de mon visage. De toute façon, je suis même pour mon physique. On est d'accord que quoi qu'il arrive, un nez comme ça, c'est beau. C'est tout petit. En fait, je veux pas avoir un nez bossu grand. Non, mais... C'est le nez parfait. Et c'est pas toi qui vas décider de qui je suis, en fait. Physique, mais c'est moche, c'est horrible. Bon, allez, on part à la clinique, on fonce. Non, mais je parle.